Pas résume-moi et tout. Puis moi j'en aurais marre de résumer quoi, à force. Le mec il va arriver en cours de route, il va rien comprendre quoi. C'est logique. Donc, c'est plus facile avec du Battle Royale. Ou du Overwatch. Ou du Ultimate Chicken, je sais pas quoi. Au moins là y'a rien à comprendre, y'a pas d'histoire. Ah bien sûr que n'importe quel jeu à force devient chiant, mais Fortnite ne m'a pas lassé, non. On n'en est pas là. Voilà, pour une fois, on va pas faire un atterrissage dégueulasse. Ça fait plaisir. Oui, quand un jeu vous lâche, vous pouvez arrêter d'y jouer, puis retourner sur un ancien jeu, par exemple, et faire une sorte de... Faut faire une petite rotation. Le joli fusil à pompe. Venez vous battre! Oh oh! J'ai pris cher dans cette histoire. Oh mais meurs quoi! Pas possible ça. Sérieusement. Pas les bandages dans le coin là? Parfait. Oh oh. Donnez-moi les bandages! On va pas bouffer les champis quand même. C'est terrible d'en arriver là. Quoi? Je fais un kill au piège! Il y avait peut-être des bandages sur lui. Avec un peu de chance. Eh bien non. Malheureusement. J'avais zappé que j'avais passé un piège quoi. Le kill au piège, le fameux. On va faire attention pour pas se faire avoir aussi hein. Encore un coffre ici. Ah bah voilà. C'est tellement bien cette arme maintenant. Ah, je crois que j'entends du bruit. On va attendre un peu que la vie remonte. Avant de sortir. Du coup, je regarde un petit peu vos messages. As-tu Omega? Mais oui, j'ai Omega, bien sûr que j'ai Omega. Vous en faites pas. Du coup, je sais pas où est la voiture en fait ici. Je sais qu'il y a une voiture normalement dans cette zone, mais... Je ne sais pas exactement. Putain, le nombre de constructions que je mets dans le sol. Qui a tiré? Qui a tiré?
Il est où? Attendez, vous tuez pas! Merci! Putain, ça fait 2 minutes que je vous cherche, les gars! Vous étiez cachés ou quoi? Pas possible, ça. Essayez d'être plus brillant la prochaine fois. Voilà. Ah, Smash Bros. Smash Bros, franchement, le nouveau Smash Bros, j'ai du mal, moi. Hein. J'ai du mal à accrocher avec le nouveau gameplay. Pour être honnête. Je le trouve moins plaisant à jouer que les anciens. Mais je pense que j'y jouerai, mais est-ce que je ferai un stream dessus, je sais pas, mais... Je suis à 6 kills déjà. Mmh, les petits champis. Les petits champis. En vrai, on peut rester toute la game au milieu à bouffer les champis. Il se passe toujours quelque chose ici, j'ai l'impression. En même temps, vu qu'il y a la quête, en fait, il y a forcément des gens qui viennent ici. Il y a juste à attendre, en fait. Hein. C'est pas si mauvais comme plan. En plus, on peut plus... Contrairement à avant, où on se faisait sniper... Bah maintenant il y a des arbres donc ça craint rien. C'est plutôt le bon plan. Vous mettez dans un petit buisson là. Voilà et vous attendez. Ça me paraît pas mal. Yeah! Allez, on va où maintenant? Je ne sais pas en fait. Je pense qu'on va peut-être attendre la prochaine zone avant de décider où aller. On va faire comme ça. On va rester au milieu là. On va farmer tranquillement des ressources. Oh! Pom, 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 pom. Il est fou lui! Il est fou! Non mais oh! Mais forcément, avec l'arme qu'il avait... Et il avait pris les hauteurs et il m'a tiré dessus avec ça. Forcément, il a fait mal. Il me refaut des bandages. Je sais même pas si j'en avais aperçu ou pas des bandages, en fait. Oh, il y a un piège, là. Mais c'est moi qui l'ai placé, celui-là. Putain, je suis con. Quel imbécile! Life is Strange 2 le 20 août, c'est vrai? Mais non, si? Ça sort bientôt là déjà? On peut aller retail, hein. On va aller essayer de varier un petit peu. Parce que faire 7 kills sans faire plus de 20 mètres depuis la zone où on a atterri en parachute. Y a plus passionnant quand même. J'ai perdu la moitié de ma vie. Ah, Life is Strange 2 par contre, ouais, ça peut clairement m'intéresser. Mais je savais pas qu'il sortait aussi rapidement. Je pense... Vous êtes sûr qu'il est pas en 2019? Ça me choque cette histoire. On va forcément trouver des bandages par là-bas. La ville a été lootée, mais bon. Nous, on veut juste des bandages, donc. Oh, attendez. Il a été pris, ce coffre? Bah non, il n'a pas été pris. Hein. Ce qui me semblait. Y a-t-il des bandages ici? Peut-être en bas? Non. Ah! Bien, bien, bien. Cette maison a peut-être pas été lootée non plus. Uh-oh.
Déjà, c'est pas mal. On va survivre un peu plus longtemps, je pense, grâce à ça. Jour, je serai visé. Hein. Eh ben c'est aujourd'hui! Ha. Je pense que le mec il a cru que j'étais mauvais. J'ai tellement raté toutes mes balles. Qu'il a cru que j'étais mauvais. Mais en fait non. Ok. Avec quoi il a tiré là? Il m'a fait trop mal. Plus de vie! Ouais, bah merci quand même! Il est résistant lui! Oh non, j'aurais pas le temps d'aller bouffer les parts de gâteau! Ah non, elles sont dans la zone! J'ai repéré un petit gâteau par là-bas, plutôt sympathique! On m'en dirait des nouvelles là! En plus, on va pouvoir choper sa voiture à lui! Ça va être plutôt cool ça! Allez-moi ce petit gâteau là. Est-ce que ça c'est pas... pas plutôt pas mal là? Hein? C'est tellement cool que je sais même pas, j'arrive plus à parler. C'est trop bien! Allez-moi ça, ma vie qui remonte là. Oui! Oh là là, on est presque full life. Le miracle des gâteaux. Bon, c'est un petit topin. Life is Strange 2 sortirait le 27 septembre. Ah oui, bah c'est bien ce qui me semblait déjà. Et en plus, c'est vrai que c'est sous forme d'épisode. On va pas trop s'emballer non plus. Oh, j'entends un coffre là. Oh, what? What? Attendez, mais... mais what? Coffre de Dieu. On va se mettre. Je sais même pas où me mettre. Ici. Voilà. Est-ce qu'il y avait tout ça dans ce coffre ou... Non mais attendez, mais il y avait le meilleur stuff de tous les temps ici. Non, je pense que c'est le mec que j'avais tué tout à l'heure. Que j'avais tué sur les toits. Non, je sais pas. C'était, peut-être c'était dans le coffre, je sais pas. Putain, mais j'ai le meilleur stuff. On peut... si, on peut avoir mieux. Il y a la nouvelle arme qui est encore plus cheatée que la Thompson, mais... on peut difficilement avoir mieux que mon stuff actuel en fait. On va plutôt dire les choses comme ça. Parce qu'il y a toujours moyen d'avoir mieux. Ah, je crois que c'est le loup du mec que j'ai tué. Ouais. Du coup, j'ai une bagnole en plus. On va aller prendre les hauteurs là-bas. Oh, même ici en fait, c'est bien. Tant que j'y pense. Alors. Oh, je suis sûr qu'ils vont tous se cacher au milieu là-bas. Je pense qu'il y en a un dans la maison en face là. Oh, y'a un loot là. Je l'avais pas vu le petit coquin.
Un mec qui saute au niveau de la maison. Ça fight ou pas là-bas? J'ai du mal à dire. Oula. Bah alors oui, mais toi... Personne qui a du shield dans cette game ou quoi? Attendez, on va aller looter ça en premier. Je pense pas que ça m'intéresse, mais... Ensuite, on posera le trampoline. Voilà. On va prendre ça là. Voilà. Alors lui. Deux de tension lui. Hop, j'avais pas vu ça. Pas cool ça. Ouf. Tout va bien. Ah ah. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà! Mais c'est quoi cette game là? Beaucoup trop facile! Bon, j'avoue que j'avais pas trop. J'étais pas sûr s'il y avait vraiment un gars qui avait tué le gars que j'étais en train d'affronter. Mais oui, c'était bien le cas. Petit top 1 avec 13 kills, les amis. On a fait le défi en plus qui consistait à tuer tout le monde à 2-6 niveaux. Bah finalement, on en a tué. Je sais même pas combien de personnes on a tué ici, mais il fallait en tuer que 3 à la base. Mais là, je sais même pas comment. Je serais même pas compté finalement. Ouais, j'étais un peu crispé sur la fin. Oui, je l'avoue tout à fait. J'étais un peu crispé sur la fin. Ouais, faut dire que j'ai pas beaucoup joué depuis cette saison 5, donc j'analyse beaucoup ce qui se passe finalement pour essayer de voir qu'est-ce qui est mieux. D'ailleurs, je change souvent d'armes, ça se voit, parce que je teste un petit peu finalement les mécaniques un peu des armes pour voir ce qui vaut le coup de jouer ou non. Et là, ça s'est bien passé.
ça s'est plutôt bien passé. Il aurait peut-être dû construire un petit peu plus l'autre gars là. Surtout que j'avais plus de balles dans ma mitraillette pour casser les constructions. J'avais pas mal vidé mon chargeur. Mais c'était cool. C'était plutôt cool. Alors.